like that she go. I be like that she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu le petit sapin, c'est la vidéo en fait. Je fais mon sapin, enfin mon premier sapin chez moi. Ça fait un moment que j'attendais ça, mais voilà, on va pas trop parler. Et puis voilà, je voulais vous montrer en fait juste les petites guirlandes que j'ai achetées, puisque je vais faire un sapin très très simple, puisque c'est ma première année que je mets un sapin chez moi. Et j'aime les couleurs jolies. Bon, j'ai pas mis un sapin vert comme vous mettez tous, et c'est pas un vrai sapin, oui, c'est un faux sapin. Et voilà, je voulais mettre mon sapin aujourd'hui, et je suis vraiment content. Bon, on va commencer, comme vous avez vu. Regardez, il est toujours là, mon ami du foyer. Ça, c'est mon ami du foyer. C'est, si vous vous rappelez dans les vidéos du foyer, quand je mettais les deux petits sapins, c'est mon sapin, voilà, mon sapin de Noël, il est tout petit. Mais non, je rigole. Maintenant, ça va être un sapin de bonne qualité. Quand je dis de bonne qualité, c'est de bonne qualité, puisque ça y est, un grand sapin. C'est parti, les amis. Maintenant, je vais vous montrer vite fait en détail ce que je vais mettre. Bon, deux petits trucs dans mon sapin qui seraient de couleur blanc de préférence. Bon, pour commencer, je vais mettre ça. Et il est déballé, il va falloir que je le déballe. C'est les lumières du sapin qui vont faire que mon sapin soit lumineux. Et puis j'ai acheté mes petites guirlandes, et pas beaucoup de guirlandes, pas beaucoup de boules. Très très simple pour cette première année. Et voilà, c'est 2020, maintenant on va attaquer 2021. Ça va être peut-être l'année un peu mieux. Bon alors, pour commencer, bon, j'ai pris des guirlandes bleues. Des guirlandes bleues de bonne qualité quand même, qui vont coûter 3 euros quelques, vite fait, que je vais mettre dans le sapin, évidemment. Je vous montre vite fait. J'en ai pris deux comme ça, en bleu. Et puis j'ai pris des guirlandes gris comme ça, que j'aime bien. Donc voilà, juste ça, très simple, parce que comme avec le virus, faire les commandes, chercher les guirlandes et tout, c'est très compliqué. Alors moi, je ne me casse pas la tête pour ma première année de sapin. Cette année, je ne me casse pas la tête, c'est ma première année, donc je vais être tranquille. Et voilà, j'en ai pris en fait deux comme ça, deux petites guirlandes grises et deux guirlandes bleues, puisque mon sapin est blanc. Et puis pour finir, très simple, des boules, voilà, des vieilles boules que j'ai achetées pas trop cher, 14 euros, tranquille, avec une petite étoile, là. Nickel. C'est parti, maintenant on va installer ce sapin de bonne qualité, bien sûr, les amis. C'est parti. Voilà les amis, j'ai fini mon sapin de Noël, je suis comme un dingue.
Franchement, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les sapins de Noël. Maintenant que je suis plus en foyer, et bien évidemment, je ne suis pas retenu de faire un sapin de Noël là. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai pris blanc. Je l'ai pris blanc parce que depuis tout petit, j'avais un sapin vert. Et puis j'ai grandi avec des sapins verts et là j'ai voulu me faire un plaisir, un changement parce que c'est la première fois que je mets un sapin de Noël dans mon nouveau appart et je suis content, c'est pour fêter ça. Même si le Covid dérange, j'ai fait quand même mon sapin et je vais inviter ma soeur et ma nièce et tout pour faire un joyeux Noël. Et je vous passe de bonnes fêtes les amis et on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de mon sapin. C'est un sapin très simple, hein. Je ne me suis pas cassé la tête, c'est ma première année que je fais le sapin. Donc voilà, il ne faut quand même pas se casser la tête. Et les couleurs bleues, c'est des couleurs de bonheur que j'aime bien, et les couleurs blancs, et un peu de gris, et puis voilà, très simple. On se retrouve pour la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à mettre sur commentaire mon sapin, s'il est beau, s'il est moche, vous dites ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez de la qualité de mon sapin. C'est du plastique, mais de la qualité, moi je kiffe. Ça y est les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.